celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein ? Non, il était volontaire. Vraiment. Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. Ah, t'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Pile à l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien ? Ma mère a besoin de moi. Comment je fais pour lui apporter ses courses ? Je comprends votre frustration, mais le pont est fermé à cause du pont. Oh ! Je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi ? Il est pas à vendre. Appa epdi irukkaru? Kettirukka nandri. Ana odam sariyilla. Oh, excusez-moi. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite. On s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute. Je dois aller aider mon ami, ok ? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord ? Ok. Bien. Merde ! Oh, fais chier ! Monsieur ! Attends ! Monsieur ! Oh, non. C'est mon papa ! On mangeait une glace et je l'ai perdue ! Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se tenait juste là. Je parlais à cet homme, je me suis retournée et il avait disparu. Thank you.
Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Dehors, dehors, pousse! Du tout. Saloperie d'espion. Quoi? Non. La ferme. Il ment. Non. Dans le camion. Mène-toi. Vous faites une erreur. Je le jure. Je t'ai dit de monter. Tout de suite. S'il bouge, tue-le. Oui, chef. Toi, avec moi. Sale brute. Sors de là. Merde. Allez. Prends chance. Que j'ai pas le choix. Hé, hey, doucement. Faut l'urgence. Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève le bras. Hé hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui. Je t'ai demandé où t'habitais. Karafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. Super. Je fume pas. Toi, tu sais. J'en veux pas si je peux pas. Ah.
Voilà le travail. J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. Ça va dire une semaine. Encore une semaine dans ce putain de trou à rats. N'oublie pas l'objectif final. T'as toujours la bouteille d'arak et la noix de coco? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Merde. Ma gratitude éternelle. Ça va pas suffire. T'as réussi à dénicher une bouteille d'arak. Au bout de la rue, là-bas. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai. C'était un bastion stratégique. On a fait le bon choix, camarade. Sam dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement nous prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. Thank you.
l'Indien ne fait pas les choses à moitié. Imaginez autre chose. Est-ce qu'il y a au moins deux cibles? L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Vas-y, jeune fille. T'es en retard, Fraser. Ravi de te voir aussi. À quoi tu joues à la fin? Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues. Ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Souris à Sav. Suis-moi. Je t'aide à monter. Et voilà. C'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Là-haut! Tu rigoles? Non. Oh! Je vais y aller doucement. T'es sûr que ça va tenir? Non.
Allez, par là. Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Plus qu'une heure. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Cobra 1, Cobra 5, à vous. Bien reçu, Cobra 1. Allez au pit Lotus. Ça bouge par là-bas. Terminé. Pas trop mal. Bon, on va où maintenant? En haut? Ok. C'est par là qu'il faut aller, et on pourra aller nulle part sans chalumeau. Alors, maintenant on improvise. Je croyais que c'était déjà ce qu'on faisait. Tu vas où là? J'ai tout dit, j'ai une solution. Bouge pas. Elle mérite bien sa réputation. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. T'es toujours aussi bavarde quand tu bosses? Ouais.
Un problème de moins. C'est juste au-dessus de nous. Tu vois, c'était pas si compliqué. Bah quoi, c'est vrai? Ça prendra qu'un moment. En voilà un. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières ? Ouais. La vache. On se croirait chez un antiquaire. Il a pas perdu son temps. Il y en a pour combien, d'après toi ? C'est pour que sa petite insurrection tienne un moment. Sala et le tigre. Il est peut-être plus près que je croyais. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Ah, Lakshmi, déesse de la richesse. Marchand d'ivoire aussi. Enfoiré. Je vais emprunter ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là ? C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte ? Les Ghâts occidentaux, territoire d'Erisala. Oh merde ! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Fais gaffe !
Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps? Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses, trois guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Allez! Il faut qu'on traverse la rivière! Arrêtez-les tout de suite! Ok. On va croiser les mauvaises personnes. Avancez-les. Par là. Bordel de merde. Laissez ça s'enfuir. Maintenant, vite. T'as pris là-bas. Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! Venez ici! Allez! Je te suis! Donc, c'est dangereux! Stop! Oh non! Quelqu'un! Merci! Allez! J'enlève les disques! Ouais! Avance! Attention! Oh, pour l'amour du ciel! Je te tiens! Oh. Je vais te le faire regretter! Oh, quelle bande de chochottes! C'est pas le moment que tu l'as raconté! Allez! Arrêtez!
est bien. Tout va bien. Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yol-Sala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au GAT, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé? Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Beau travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Osala? Oi, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris.
On se retrouve à la voiture ? Ouais,